nation disparue. Est-ce que ne leur est pas parvenue l'histoire de ceux qui les ont précédés? Le peuple de Noé, des Ad, des Tamoud, d'Abraham, des gens de Madian et des villes renversées. Leurs messagers leur avaient apporté des preuves évidentes. Ce ne fut pas Dieu qui leur fit du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Les générations précédentes. La Grande Pyramide, Égypte, 2600 avant Jésus-Christ. Stonehenge, Angleterre, 2000 avant Jésus-Christ. Angkor Wat, Cambodge, 1150 après Jésus-Christ. Machu Picchu, Pérou, 1470 après Jésus-Christ. Ce que nous voyons sont les vestiges imposants de quelques-unes des grandes civilisations anciennes. Depuis des temps immémoriaux, des civilisations très différentes émergèrent, grandirent, régnèrent et finirent par disparaître. Le niveau artisanal atteint par certaines d'entre elles nous émerveille encore aujourd'hui. Ces civilisations, dont les connaissances mathématiques, astronomiques, médicales et architecturales approchaient pourtant, voire surpassaient les nôtres aujourd'hui, ont bel et bien disparu. Leurs connaissances, leurs richesses incroyables, leurs palais et leurs temples magnifiques sont réduits au silence et aux ruines. En dépit de leur pouvoir et de leur richesse, elles furent éliminées de la surface de la terre. Nous savons désormais que certaines furent détruites par des cataclysmes terribles. À travers ce documentaire, nous examinerons ce qu'il est advenu de ces grandes civilisations. Nous verrons également la corrélation entre ces événements destructeurs et la rétribution divine telle qu'annoncée dans le Coran. Ces peuples furent détruits à cause de leurs excès et de leur rébellion contre Dieu, comme en témoignent les découvertes archéologiques. Le peuple de Lot. Le peuple de Lot traita de mensonges les avertissements. Nous lâchâmes sur eux un ouragan. La terre d'Anatolie, les plaines de la Mésopotamie, la péninsule arabique et le continent africain virent l'essor de différentes civilisations depuis le début des temps. Dieu leur envoya des messagers afin de les appeler vers la voie de la religion. Les peuples qui refusèrent de croire aux messagers ou qui tentèrent de les tuer ou de les exiler furent tous détruits. L'une de ces civilisations vivait aux frontières de l'État actuel d'Israël, campée sur les rives de la mer Morte, le peuple de Lot. Selon le Coran, le prophète Lot fut envoyé à ce peuple où sévissait l'homosexualité dans une mesure jamais connue auparavant. Quand leur frère Lot leur dit « Ne craindrez-vous pas Dieu? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Dieu donc, et obéissez-moi. Je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. Accomplissez-vous l'acte charnel avec les mâles de ce monde? Et délaissez-vous les épouses que votre Seigneur a créées pour vous? Mais vous n'êtes que des gens transgresseurs. » Quand Lot les invita à renoncer à leur perversion et leur présenta les commandements de Dieu, ils le rejetèrent en tant que prophète et persistèrent dans leur égarement. Leur comportement causa leur destruction. Penchons-nous maintenant sur les preuves archéologiques concernant ce peuple récemment mis au jour et discuté dans le Coran. L'Ancien Testament, le livre saint des chrétiens et des juifs, fait allusion à ce peuple dans les mêmes termes que le Coran. L'Ancien Testament mentionne notamment que cette communauté déviante vivait dans une cité appelée Sodome. Les découvertes résultant des fouilles archéologiques révèlent que cette cité était érigée près de la mer Morte, le long de la frontière israélo-jordanienne. Les archéologues déterrèrent les preuves d'un terrible cataclysme. Les squelettes humains portaient en effet les signes de dommages causés par un puissant tremblement de terre. Selon le Coran, les anges vinrent trouver Lot pour le prévenir dans la nuit précédant la catastrophe. Alors ils dirent « Ô Lot, nous sommes vraiment les émissaires de ton Seigneur. Ils ne pourront jamais t'atteindre. Pars avec ta famille à un moment de la nuit, et que nul d'entre vous ne se retourne en arrière. Exception faite de ta femme qui sera atteinte par ce qui frappera les autres. Ce qui les menace s'accomplira à l'aube. L'aube n'est-elle pas proche? Et lorsque vint notre ordre, nous renversâmes la cité de fond en comble, et fîmes pleuvoir sur elle, en masse, des pierres d'argile succédant les unes aux autres, portant une marque connue de ton Seigneur. Et elles ne sont pas loin des injustes. » Le verbe « renverser » fait vraisemblablement référence au choc d'un puissant tremblement de terre. D'après une information relayée par la BBC, sous le titre « Les scientifiques dévoilent la fin brûlante de Sodome », le géologue britannique Graham Harris fut l'un des scientifiques à découvrir les preuves indéniables à ce sujet. Selon le docteur Harris, Sodome était bâtie sur les rives de la mer Morte et faisait le commerce de l'asphalte disponible dans la région. Cette substance goudronneuse était alors utilisée pour imperméabiliser les bateaux et pour souder les pierres des édifices. Cet endroit était également le point de rencontre de deux plaques tectoniques convergentes, c'est-à-dire une zone de tremblement de terre. Les couches de lave et de basalte mises au jour grâce aux fouilles sont des preuves indéniables d'une activité sismique et volcanique. La pluie de pierres d'argile succédant les unes aux autres, décrite dans le Coran, était très probablement une éruption volcanique. Le reste du verset relatant l'événement, lorsque vint notre ordre, nous renversâmes la cité de fond en comble, pourrait faire référence aux ruptures et à la destruction causée par le tremblement de terre. En dessous des côtes de la mer Morte gisent de grands dépôts de méthane inflammable. Le tremblement de terre aurait provoqué le déplacement de ces dépôts et leur explosion. Le sol se serait transformé en sable mouvant, ce qui expliquerait qu'un glissement de terrain important aurait balayé la cité dans les eaux. Une série d'expériences scientifiques conduites à l'université de Cambridge viennent confirmer cette théorie. Les scientifiques construisirent en laboratoire une réplique de la région dans laquelle vivait le peuple de Lot et créèrent un séisme artificiel. Comme on s'y attendait, la terre fut inondée et les maisons miniatures y furent enterrées. Ces découvertes archéologiques et expérimentales révèlent un fait important. Le peuple de Lot auquel fait allusion le Coran exista réellement et il fut puni par Dieu pour ses perversions. Toutes les preuves disponibles à ce jour concordent parfaitement avec le récit du Coran. Une fois de plus, on ne peut nier que le Coran est la parole de Dieu. Alors, au lever du soleil, le cri, la catastrophe les saisit, et nous renversâmes la ville de fond en comble et fîmes pleuvoir sur eux des pierres d'argile dure. Voilà vraiment des preuves pour ceux qui savent observer. la fin de Pompéi. Le mont Vésuve est un symbole de l'Italie et surtout de la ville de Naples. Le surnom de montagne du malheur donné à ce volcan n'est pas anodin. Une ville érigée sur ses pentes connut un sort similaire à celui qui frappa la ville de Sodome. Pompéi fut détruite à cause de sa rébellion contre Dieu et de ses perversions. Ces images donnent un aperçu de ce que fut autrefois la rue la plus vivante de Pompéi. La cité était une destination balnéaire pour la haute société de l'Empire romain, ainsi qu'un symbole de richesse. L'architecture des maisons était surprenante. La population de Pompéi était très riche. Or, au lieu de remercier Dieu pour cette opulence, les habitants de Pompéi tombèrent dans la débauche et la cité devint l'antre de l'iniquité. Pompéi était célèbre pour deux choses. D'une part, pour les combats de gladiateurs organisés dans des arènes immenses pour le seul divertissement des riches. La seule règle régissant ce spectacle sauvage était de se battre jusqu'à la mort. Pompéi avait d'ailleurs la deuxième plus grande arène de l'Empire après le Colisée de Rome. Au tout début du christianisme, dans cette arène fut orchestrée la mort d'innombrables personnes à cause de leur foi en Dieu. Cette sauvagerie sans nom devint la forme de divertissement courue par les habitants de Pompéi, désertés de toute conscience. D'autre part, Pompéi était le théâtre du système d'esclavage le plus rude de tout l'Empire romain. Seule la mort pouvait redresser un esclave désobéissant. Les esclaves étaient considérés comme des objets sans valeur, renouvelables à loisir. L'oppression soumise aux esclaves par les notables de Pompéi était d'une autre nature. Il les forçait à se prostituer. Les relations homosexuelles perverses entre les nobles se terminaient par le viol d'esclaves encore enfants. En résumé, la richesse des habitants de Pompéi ne contribua qu'à leur dégénérescence et leur perversion. Ils ne s'attendaient pas à ce qui allait se produire. Le choc du cataclysme fut tel qu'une immense baignoire en marbre d'un des thermes se brisa contre le mur opposé avec une force incroyable, laissant une marque profonde. En un instant, la lave du Vésuve balaya Pompéi de la surface de la terre. Les vestiges restèrent enfouis dans la terre pendant les 2000 années suivantes. Au cours du premier quart du XXe siècle, les archéologues commencèrent à découvrir, sous des tonnes de roches volcaniques, les vestiges enterrés d'un épisode de l'histoire entièrement préservé depuis 2000 ans. Le cataclysme avait frappé les habitants de Pompéi si soudainement que tout resta juste comme il était il y a 2000 ans, comme si le temps s'était suspendu. En dépit de la terrible éruption du Vésuve, personne ne prit la fuite, tout se figea dans la pierre. Les visages, et parfois même les dents de certains corps, restèrent tout à fait intacts. Tous portaient des expressions de surprise et de terreur. Une famille fut pétrifiée en plein repas. Même la nourriture sur la table fut préservée. Cette tragédie est troublante, car on se demande comment des milliers de personnes attendirent la mort sans rien voir ni entendre. L'ampleur de la catastrophe de Pompéi concorde étroitement avec la destruction relatée dans le Coran. Le Coran souligne la nature instantanée des conséquences d'une destruction. Ce ne fut qu'un seul cri, et les voilà éteints. Nous lâchâmes sur eux un seul cri, et voilà qu'ils furent réduits à l'état de paille d'étable. Le peuple de Ad. Quant aux Ad, ils furent détruits par un vent mugissant et furieux, que Dieu déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Tu voyais alors les gens renversés par terre, comme des souches de palmiers évidées. En vois-tu le moindre vestige? Les nombreuses légendes des Bédouins reprennent des épisodes millénaires de l'histoire de la péninsule arabique. L'une de ces légendes relate l'abondance et la fertilité d'une cité bâtie au milieu des dunes, dénudée du désert. Les habitants de cette cité jouissaient d'un grand bien-être jusqu'au jour où, selon l'histoire, ils commirent un grand péché et furent punis pour leur égarement. Une terrible tempête de sable détruisit la ville, comme si elle n'avait jamais existé. Des fouilles archéologiques menées à Oman, dans le sud de la péninsule arabique, révélèrent que ce conte n'a rien d'un mythe, et que ce peuple mentionné dans des sources ancestrales correspondait au peuple de Had cité dans le Coran. C'est l'archéologue amateur Nicolas Clapp qui fit la découverte de cette cité perdue. Arabophone et réalisateur reconnu de documentaires, Clapp tomba sur un livre des plus intéressants au cours de son étude de l'histoire arabe. Le livre en question était intitulé « Arabia Felix », écrit par le chercheur anglais Bertram Thomas en 1932. Arabia Felix était le nom donné par les Romains à la partie sud de la péninsule arabique qui signifiait l'Arabie heureuse. Ce surnom vient du fait que les habitants de cette région, à l'époque antique, étaient les plus fortunés de leur temps. Pourquoi ? La région produisait et vendait de l'encens, une résine aromatique provenant d'arbres rares. L'encens était très précieux dans l'Antiquité pour son usage fumigatoire au cours des cérémonies religieuses. Sa valeur équivalait alors à celle de l'or. Dans son livre, le chercheur britannique Thomas prétendait avoir découvert les traces d'un des peuples fortunés. Chez les Bédouins, cette cité était connue sous le nom de Oubar. Au cours d'un de ses voyages dans la région, les Bédouins lui montrèrent une piste ancienne conduisant à l'antique cité d'Oubar. Cependant, Thomas mourut avant de pouvoir mener à terme ses recherches. Nicolas Clapp étudia les écrits de Thomas et finit par se laisser convaincre par l'existence de la cité perdue. Sans perdre de temps, il se lança dans ses propres recherches. Clapp demanda à la NASA de quadriller la région par satellite. Les photos prises depuis l'espace firent apparaître les traces de plusieurs pistes, invisibles depuis la Terre. Clapp compara ces photos avec des cartes anciennes et obtint le résultat attendu. Les chemins des vieilles cartes concordaient avec ceux dévoilés par les photos satellites. Ils se rejoignaient dans une vaste zone qui correspondait à un ancien campement. Il était temps pour Nicolas Clapp de se mettre en route. Son voyage fut long et riche en aventures. L'équipe de recherche eut recours parfois aux dernières technologies dans les vastes étendues de dunes. Mais à plusieurs reprises, ces gadgets électroniques ne leur furent d'aucune utilité dans cet environnement sauvage. Clapp et son équipe finirent par trouver les vestiges historiques qu'ils espéraient être ceux de la cité d'Oubar. Dès leur découverte, on comprit que ces ruines appartenaient au peuple de Ad mentionné dans le Coran et à la ville d'Iram qu'ils avaient érigée. Clapp utilisa le Coran aussi au cours de ses fouilles. Le Coran décrit les hauts piliers ou les hautes tours de la ville d'Iram, car le terme est interchangeable en arabe. Les traces de hautes tours apparurent rapidement au cours des fouilles. Grâce à l'utilisation de la technologie graphique tridimensionnelle, les scientifiques furent capables d'en faire une reconstruction. Le docteur Zarin, un membre de l'équipe de fouilles, déclara que ces tours distinguaient cette cité des autres découvertes archéologiques et confirmait que le site était celui de la ville d'Iram, du peuple de Ad, mentionné dans le Coran. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Ad, Iram, la cité aux colonnes remarquables, dont jamais pareille ne fut construite parmi les villes? Les Had ont traité de menteurs leurs messagers. Comment furent mon châtiment et mes avertissements? Nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial, en un jour néfaste et interminable. Il arrachait les gens comme des souches de palmiers déracinées. Le peuple de Had, dont on trouva des traces dans la cité d'Oubar, rejeta le prophète Houd, qui leur fut envoyé, ce qui leur valut la destruction de Dieu. Puis, voyant un nuage se dirigeant vers leur vallée, ils dirent « Voici un nuage qui nous apporte de la pluie. » Au contraire, c'est cela même que vous cherchiez à hâter, un vent qui contient un châtiment douloureux. Ce verset indique que les habitants d'Iram virent arriver le nuage annonciateur de souffrance, le confondant avec un nuage de pluie, alors qu'il s'agissait d'une terrible tempête du désert. Au loin, les tourbillons créés par ce type de phénomène ressemblent en effet à un nuage de pluie. Cela pourrait expliquer l'erreur de jugement du peuple de Had. Oubar, l'Atlantis des sables, fut découverte sous une couche de sable de plusieurs mètres. Comme le rapporte le Coran, la tempête sévit pendant 7 nuits et 8 jours, déposant des tonnes de sable sur la cité et enterrant vive sa population. C'est l'emploi du mot « akaf » dans le Coran pour définir la localisation du peuple de Had qui laisse entendre que la population fut ensevelie dans une tempête de sable. Et rappelle-toi le frère des Had quand il avertit son peuple près des dunes de sable, alors qu'avant et après lui, des avertisseurs sont passés. N'adorez que Dieu, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. En arabe, Akaf signifie des dunes de sable. Cela démontre que le peuple de Had vivait dans une région de dunes de sable, aussi n'y a-t-il rien d'étonnant dans l'apparition d'une tempête de sable. Le cataclysme qui frappa le peuple de Had sous la forme d'une tempête, arrachant les gens comme des souches de palmiers déracinées, dut détruire la population entière en très peu de temps. La cité et tout ce qu'elle contenait furent ensevelis sous le sable. Le désert se propagea lentement après la destruction du peuple de Had sans laisser de traces. En résumé, les découvertes historiques et archéologiques confirment d'une part l'existence du peuple de Had et de la cité d'Iram aux hautes colonnes, telles que mentionnées dans le Coran, et d'autre part leur destruction, comme le relate le Coran. Les fouilles permirent de trouver les traces de ce peuple sous le sable du désert. Dans le Coran, Dieu révèle que le peuple de Had se détourna de la droiture par arrogance. Les peuples passés en revue jusqu'ici commirent tous des erreurs similaires. Ils se rebellèrent contre Dieu, ils adoptèrent d'autres divinités en dehors de lui, ils se gonflèrent d'arrogance sans le moindre droit et s'adonnèrent à la perversion sexuelle. Aussi, Dieu les détruisit-il. Un grand nombre d'autres civilisations furent détruites au cours de l'histoire pour des raisons analogues. Dieu nous rappelle les faits et nous invite fortement à méditer sur leur sort. Il est de notre devoir de nous informer sur la destruction de ces peuples et d'y voir un avertissement. Dieu dit dans un verset du Coran, quant aux Ad, ils s'enflèrent d'orgueil sur terre injustement et dirent « Qui est plus fort que nous ?» Quoi ? N'ont-ils pas vu qu'en vérité, Dieu qui les a créés est plus fort qu'eux ? Et ils reniaient nos signes. Nous ne devons jamais oublier que Dieu peut détruire un individu ou un peuple entier quand il veut. Il peut également honorer et accorder ses bénédictions à qui il veut. Tous les bienfaits, le bien et la beauté sont entre les mains de Dieu. Le devoir de l'homme consiste à constamment témoigner sa reconnaissance à Dieu pour les bonnes choses qu'il lui a accordées et à rechercher son agrément. Dieu fait l'appel suivant dans un verset du Coran. Avant vous, certes, beaucoup d'événements se sont passés. Or, parcourez la terre et voyez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient les prophètes de menteurs. Voilà un exposé pour les gens, un guide et une exhortation pour les pieux.